Sextus Carteros se trouve aujourd'hui pour la suite de notre Mass Effect préféré. Alors pourquoi est-ce que je suis dans la soute? Parce que j'ai réglé ces problèmes d'inventaire, comme vous pouvez le voir, tout est vide. J'ai fait du ménage. Alors on va remonter tout de suite pour faire la suite de la quête principale. Et donc aller sur la planète Féroce. Une transmission, commandant. Je crois que ça va vous intéresser. Mes hommages, commandant Shepard. Je représente un investisseur à la recherche d'informations sur les activités de Cerberus. Qui êtes-vous? Et qui représentez-vous? Mon identité n'a pas d'importance. Je vous dirai simplement que je suis un agent du Courtier de l'Ombre. L'amiral Karuku a contacté mon employeur pour lui demander les coordonnées des installations de Cerberus. Nous les lui avons fournies. À condition qu'il nous fasse parvenir des copies de tout fichier récupéré dans les systèmes de Cerberus. Vous avez quelque chose à voir avec la mort de l'amiral Karuku? Nous n'avions aucune raison de l'éliminer. Il s'apprêtait à nous fournir des informations sur Cerberus. Informations qui sont à présent en votre possession. Vous devez avoir un lien avec Cerberus. Comment pouvez-vous savoir où se trouvent ces installations, sinon? L'information est notre métier, commandant. Grâce à nos contacts, nous avons pu découvrir que le groupe Cerberus était actif dans le secteur voyageur. Malheureusement, c'est tout ce que nous avons pu apprendre. Nous souhaiterions donc que vous nous obteniez ces fichiers. Ce sont des fichiers confidentiels de l'Alliance. N'y comptez pas. Soyez raisonnable, commandant. Vous ne devez rien à l'Alliance. Cerberus opérait en dehors de sa juridiction. L'Alliance va en tirer ses informations dans ses archives. Mais aucun secret ne reste caché indéfiniment. Quelqu'un finira par nous remettre cette information. C'est inévitable. Autant que ce soit vous, transmettez-nous les fichiers et vous serez largement récompensé. Loyauté va à l'Alliance, pas au Courtier de l'Ombre. C'est regrettable, commandant. Mon employeur s'en souviendra la prochaine fois que vous aurez besoin de nos services. On peut donc aller voir sur la planète. Donc faut sortir par le sas à côté de Joker.
vous allez là. Qui c'est qu'on pourrait prendre? Kidan et... Allez, Carus. Quoique non, il va peut-être me falloir un spécialiste en technologie. Mais non, on va prendre ça comme ça. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Nous avons vu votre vaisseau. Faïdan. Qui est Faïdan ? Notre chef. Il a besoin de votre aide pour préparer nos défenses contre le prochain assaut des Geth. En haut des escaliers, de l'autre côté du transporteur. Débarrasser Divina Petiquette. Donc pouvoir y aller. Ça devrait être bon. Ça. 30 de chargement à la con. Descends dans les tunnels. Les Geth sont de vraies machines à tuer. Si on ne meurt pas de soif avant, les Geth finiront par tous nous tuer. Les Geth vont tous me tuer. Ouais, donc faut aller parler au chef. Je dois terminer ce travail. Qui doit se trouver quelque part par là, je pense. Je dis pas de conneries. Ravi de vous rencontrer, commandant. Il était temps que les secours arrivent. Vous arrivez un peu tard, vous ne trouvez pas ? Arcelia ! Pardon, commandant. Tout le monde est un peu sur les nerfs. Attention ! Il y a des Geth dans la tour ! Protégez le cœur de la colonie !
ça, ça veut dire des trucs pour moi. Alors, on va lui mettre ça. Et... agent de terrain, ça fait quoi? Médecine, choc, on va mettre ça aussi. Là. Et hop. Comme ça. Tout prendre. Journal, on zap. Codex, on zap. Là, on va devoir aller s'en occuper, bien évidemment, comme toujours. Je ne veux pas mourir. Il est mort. Je vais passer par là. Il me semble que c'était par là. Ouais, c'était bien par là qu'il fallait passer. Peut-être mettre Faidan au courant de la situation avant de nous rendre à la base des guettes. C'est notre seul contact, un tant soit peu officiel. Je vais juste faire le tour histoire de voir si on n'a pas loupé quelque chose. Ça m'intéresse. Ah non, pour moi ça vaut pas le coup. Pour
lui non plus. Et pour elle non plus. Ouais, du coup, allez, gros. Pas grand, je vais d'abord m'occuper de moi. Proton 4, on va lui mettre Polonium 5. Lance grenade. Moquerie ou 2, ça, ça change pas. Exosquelette 4 non plus. Garus, dans son truc là, on va lui mettre Proton. On va lui mettre Shredder. Et sur son point d'incendiaire 4, on va lui mettre l'incendiaire 5. Comme ça, c'est bon. Donc là, on va retourner voir le monsieur de tout à l'heure. Et on va aussi en profiter pour récupérer bien évidemment des quêtes annexes. Ah bah sinon c'est pas drôle hein. Non, c'était par là. J'avais pu. Voilà. La tour est sécurisée. Grâce à vous, commandant. C'est mon job. Ne me remerciez pas. L'essentiel, c'est que votre colonie soit hors de danger. Merci de votre soutien et de votre aide contre les guettes. On les a ralentis, mais il en viendra d'autres. Il en vient toujours d'autres. Aidez-moi à découvrir ce que cherchent les guettes et je vous ferai sortir d'ici vivant. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont attaqué la colonie. Leur base se trouve dans le complexe Exogénie. Vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions. C'est quoi ça, Exogénie ? Nos patrons. Ce sont eux qui financent la colonie. Presque tout le monde ici travaille pour eux. L'autoroute mène directement au complexe Exogénie. Vous ne pouvez pas le rater. Non, c'est surtout l'armée de guettes entre ici et là-bas qui va vous poser problème. Je ne m'attendais pas à une partie de plaisir. Très bien. Ensuite, nous reprendrons les réparations. La basket. Est-ce que vous savez comment les guettes ont organisé leur défense ? Non, pas vraiment. Mais je suis à peu près sûr qu'ils sont bien mieux protégés qu'au poste de commandement. Je sais qu'au moins un vaisseau guette s'est posé près d'Exogénie, et j'ai vu des marcheurs sur l'autoroute. Le combat risque d'être rude. Mais non. Qu'est-ce qu'il vous faut pour remettre votre colonie en état de marche ? Être débarrassé des guettes. Arcelia a raison. Il reste des guettes dans les tunnels. Sans compter les problèmes plus terre-à-terre, comme la pénurie d'eau, de nourriture et d'électricité. Je ne sais pas trop où nous en sommes à ce sujet. Les responsables de l'approvisionnement seront mieux placés pour vous répondre. Donc là, on va faire chacun des trucs. Vous avez des infos sur les guettes dans les tunnels ? Rien de nouveau. Ils doivent garder un transmetteur quelque part là-dedans, qui leur permet de coordonner les attaques. Sans être une question de vie ou de mort, sa destruction nous aiderait à organiser les défenses. Je peux faire quelque chose pour votre problème d'eau ? Masha Doyle essaie de régler le problème. Si vous avez des suggestions à lui faire, n'hésitez pas. D'où viennent vos problèmes d'alimentation électrique ? Allez plutôt voir May O'Connell. C'est elle qui s'occupe du réseau. Vous avez parlé d'une pénurie de nourriture. Devin Reynolds est chargé de pourvoir à nos besoins en nourriture. Je suis sûr qu'il acceptera votre aide avec gratitude, si vous la lui proposez. J'aimerais qu'on parle de Zeus Hope et de Pharos en général. Bien sûr, commandant. Parlez-moi de votre colonie. La vie d'un pionnier est souvent courte et brutale. Même sans les problèmes actuels. Les affaires coloniales estimaient que nous n'étions pas assez développés pour intéresser les pirates. Ils n'avaient pas pensé aux guettes. Mais malgré tout, il se dégage une inexplicable sérénité de cet endroit. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Quelle était la taille de votre colonie avant l'attaque ? Près de 1000 colons sur le site principal et 200 dans cet avant-poste. Quand la première vague de guettes a pulvérisé nos défenses, nous nous sommes repliés sur Zeus Hope. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur Exogénie ? C'est Exogénie qui finance cette colonie. Sans eux, on ne serait même pas ici. Ils sont spécialisés dans la colonisation. En échange de leur soutien financier, nous travaillons pour eux. Leur objectif principal est de mettre la main sur des artefacts ou des ressources de valeur. Sauf qu'ici, il n'y a rien du tout. En tout cas, on n'a rien trouvé. C'est peut-être ça que cherchent les guettes, non ? Possible. Comme Arcelia vient de le dire. Cela dit, les guettes sont peut-être mieux informés que nous. Je reviendrai quand j'en saurai davantage. Bonne chance, commandant. Alors, du coup, on a récupéré cette zone. Ah oui, on va aller récupérer maintenant les... Comment on dit ? Les quêtes annexes. D'abord, on va aller... Mes migraines... C'était nu...
Il suffit juste... Excusez ma femme, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Kalanta a besoin de repos pour accepter ce qui vient de nous arriver. Parlez-moi de la colonie. Je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Vous devriez en parler à Faidan. Pourquoi Faidan? Vous avez bien un avis sur la colonie, non? Faidan est notre chef. C'est lui le mieux placé pour répondre aux questions sur notre colonie. Il n'a pas l'air d'avoir envie de répondre. Quel est votre rôle au sein de la colonie? Je suis médecin. Enfin, plus ou moins. Notre médecin titulaire a été l'une des premières victimes des guettes. Je fais de mon mieux pour la remplacer. Que savez-vous de cette planète? Pas grand-chose. En tout cas, c'est assez différent de ce que les affaires coloniales nous avaient fait miroiter. Il n'est pas si noir, remarquez. Quand nous serons débarrassés des guettes, je suis sûr que nous ferons de grandes choses ici. Vous avez une idée de ce que les guettes sont venus chercher sur cette planète? Pas la moindre. Je ne vois rien qui puisse justifier une telle agression. Nous voulions juste fonder une colonie, rien de plus. Qu'est-ce qui est arrivé à votre femme? Ces attaques répétées portent sur les nerfs de tout le monde. Elle s'y habituera, comme nous tous. Je peux peut-être faire quelque chose pour elle. Non, elle a juste besoin de temps pour accepter. Ça ira. Je dois y aller. Je vous en prie. Bonjour, étranger. Ça fait plaisir de voir que le reste de la galaxie ne nous a pas oubliés. Repose-toi, ma chérie. Tu es encore un peu faible pour parler. Mais ils doivent savoir que... Non, je veux dire... Ils sont très importants. Oui, tu as raison. Vous avez besoin d'aide? Je... vais bien, merci. J'ai juste l'esprit un peu confus. Une migraine persistante depuis la dernière attaque. J'ai juste besoin de repos. Elle n'a pas l'air blessée. Mais manifestement, elle souffre beaucoup. Je vous en prie, elle a besoin de repos. Laissez-la dormir. Maintenant, on va parler à ce bonhomme-là. Vous qui avez... Ils reviendront, mais nous serons sans doute tous morts de faim avant. Ah, il doit bien y avoir quelque chose à faire. Oui, il faudrait ajouter de la viande de varenne à nos rations. Mais ils sont trop dangereux. Surtout à cause du mâle alpha, un énorme varenne qui attaque tout ce qui bouge. À mon avis, il a la rage. En tout cas, il est incontrôlable. Je ne pourrai rien faire tant qu'il ne sera pas mort. Parlez-moi de Zoot. C'est tout de suite ce qu'on va faire. La colonie est en pleine croissance. Enfin, elle l'était. Mais vous devriez parler de ça à Faidan. C'est notre chef. Pourquoi Faidan? Je ne veux pas vous en parler maintenant. Allez voir Faidan. Quelque chose de très louche là-dedans. Parlez-moi un peu de vous. Mon histoire est plutôt banale. Greta et moi, on est venus ici par goût de l'aventure, pour prendre un nouveau départ. Niveau aventure, on peut dire qu'on a été gâtés. Avant l'arrivée des guettes, tout se passait bien. On commençait même à apprécier notre nouvelle vie dans la colonie. Dites-moi un peu plus sur les varennes. On ne peut pas les chasser tout en repoussant les assauts des guettes. Le point positif, c'est qu'ils attaquent tout ce qui bouge, même ces saloperies de synthétiques. C'est surtout le mâle alpha qui pose problème. Il est très agressif et complètement imprévisible. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Donc on en a déjà récupéré deux en plus de l'autre d'avant. Je sais pas si on peut déjà lui parler. Bonjour, commandant. On m'a prévenu de votre arrivée. Tout ce que j'ai est à votre disposition. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Zeus Hope? C'est un endroit fascinant. Dommage que les guettes en aient fait. Je suis sûr que vous pourriez vous plaire ici, commandant. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais... je crois bien que je vais m'installer ici. Vous installez, mais pourquoi? Cette colonie prend l'eau de tous les côtés. C'est difficile à expliquer, commandant, vous ne pourriez pas comprendre. Allez plutôt poser la question à Faidan. Il pourra peut-être vous donner des réponses. Comment vous faites pour être aussi bien approvisionné ici? Bon nombre de mes clients n'ont pas survécu aux attaques guettes, et ceux qui restent n'ont plus vraiment l'esprit à faire du shopping. Que fait un galarien comme vous dans une colonie? Partout où il y a des crédits, je vais. Enfin, j'allais. Un transporteur bien rempli peut rapporter gros dans une colonie comme celle-ci. Au bout d'un moment, j'ai, comme qui dirait, pris racine. Et j'ai décidé de rester, pour aider la colonie à se développer. Quel est votre nom, Galaria? Mon nom complet est Goroth II Eranon Maldinest Got Inos Teledra. Les humains n'utilisent en général qu'un prénom et un nom, soit Inoste et Ledra. Pourquoi ce nom à rallonge? Nous sommes nommés en fonction de nos origines. Goroth II est ma planète natale, Eranon, le pays de mon clan. Enfin, Maldinest et Goth sont les noms de la ville et du quartier où j'habite. Tout à fait charmant comme histoire. Montrez-moi ce que vous avez en rayon. Avec plaisir. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose à votre goût. Donc déjà, on va récupérer la licence. Et on
Ensuite, on va l'épargner à elle. Beau boulot, dites donc. Pas fâché que vous vous soyez pointé. Par contre, sans accus, on n'est pas tiré d'affaire. Et si je vous rapportais quelques accumulateurs du Normandie? On doit en avoir en rab. Votre vaisseau, c'est le top du top? Pas comme tout tas de bouse, là. Non, ce sera pas compatible. Si je trouve quelque chose, je vous le ferai savoir. Merci, commandant. C'est sympa. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de parler. J'ai une pénurie d'eau sur les bras. Je peux peut-être faire quelque chose. Le local technique a été le premier bâtiment à tomber sous contrôle Get. Trouvez les conduites et rouvrez l'arrivée d'eau. En attendant, la colonie est à sec. Parlez-moi de la colonie. Nous sommes un petit groupe rattaché à la colonie principale. Enfin, nous l'étions, avant l'attaque. Allez plutôt parler à Faidan. C'est lui qui connaît le mieux la colonie. Mon vaisseau est à votre disposition. Je pourrais vous apporter de l'eau. Cela ne résoudrait pas vraiment le problème. Sauf si vous comptez faire des allers-retours jusqu'à la fin de vos jours. Nous devons être autonomes. Et moi? Non, ce n'est ni le lieu ni le moment. Aidez-nous si vous voulez, sinon laissez-nous. Bonne chance. Je vais juste vérifier que j'ai toutes les quêtes. Bien, les guettes dans les tunnels, ouais, c'est bon. Alors, à savoir que ces quatre quêtes-là, ainsi que parler aux galériens, faudra les faire avant de continuer la quête principale, sinon ça risque de bloquer à un certain moment. Et je vais pas vous dire lequel, sinon c'est pas drôle. Commandant, que puis-je faire pour vous ? Certains colons se comportent bizarrement. Nous sommes une petite communauté, commandant. La plupart d'entre nous viennent de perdre des êtres chers. Nous ne sommes pas des soldats. Personne ne nous a jamais appris à faire face aux horreurs de la guerre. Cette colonie est notre foyer. Les guettes viennent de détruire tous nos biens les plus chers sous nos yeux impuissants. Ne nous jugez pas trop sévèrement. Je reviendrai quand... Bonne chance, commandant. Donc on va aller par là. Donc ici on était déjà, donc il va falloir qu'on passe par là. Donc ça c'est l'ascenseur de l'autoroute. Donc là va falloir descendre les escaliers. Mon Dieu, ils sont partout! Descendre, aller dans les tunnels. Alors, et donc vous allez d'abord aller. Bon, on peut pas y accéder. Vous allez passer d'abord par là. Aussi avoir trois valves à ouvrir, alors c'est tout simple. Cette valve semble faire partie d'un ensemble. Il doit y en avoir d'autres activées. Vous avez la deuxième là. Du coup, de médigène. Hein. Et une de plus. Ça n'a pas l'air d'avoir suffi. Il va falloir continuer les recherches. On va vous passer d'abord par là.
Et là, vous avez les Varennes. Alpha. Et vous pouvez récupérer l'accumulateur. Donc vous avez déjà 2 quêtes sur 4 qui sont finies. On va voir ça tout de suite. Ah, vous voyez, zone de Varennes c'est fait, accumulateur c'est fait. Donc il reste encore les autres valves, la dernière valve à ouvrir. Et pardon, s'occuper. Jusque je retrouve par où faut sortir, voilà par là. Donc pour finir la quête, donc par là on atterrit. C'est bon. Commando. Tant qu'il ne met pas en point d'intimidation, tout va bien. Donc là, vous allez avoir... Voilà, vous foutez le camp très très loin, parce qu'ils peuvent vous charger dessus. Ça peut être dangereux. Se régénère aussi, ça faut. Voilà, donc ça c'est bon. Normalement ici vous êtes tranquille. Je dis bien normalement. Donc vous récupérez le truc. Vous déglinguez le truc là. Donc vous avez votre troisième quête qui est finie. Donc là vous repartez sur votre droite. Vous redescendez de nouveau.
Et donc votre troisième valve qui est ouverte. Et voilà, le système. Donc logiquement, on aurait pu avoir donc la quête là, 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 c'est là et c'est là. Opérationnel. Donc on continue encore un petit peu pour rencontrer un dernier personnage légèrement tordu, mais bon. Ça, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Un bon conseil, n'allez pas par là. Qu'est-ce que vous faites ici? Rien de bien. C'est tout ce que je peux dire. Je l'ai senti passer, celle-là. Bien essayé. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Le maître fouette l'esclave, c'est tout. Ça me rappelle que je suis toujours en vie. Vous êtes là pour les guettes, c'est ça? Vous n'êtes pas le seul à vous y intéresser. Qui d'autre s'intéresse aux guettes? Ils ne s'y intéressent pas. Ils veulent les détruire. Ils sont une épine dans le flanc du... Ils essayent d'atteindre le... Laissons-le. Il n'a plus toute sa tête. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez de l'aide? De l'aide? Non. Non. Personne ne peut rien pour moi. Mais je préfère mourir en luttant jusqu'au bout. En luttant contre quoi? Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai l'impression d'être tombé dans un buisson de ronces. Plus je me débat... Trop tard. Voilà de la compagnie. Demandez à Faidan. Parlez-lui et... Attention! 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 Mais quand même... Problème réglé. Donc par là on peut pas accéder. Ensuite par là je crois que c'est là d'où on vient où il y avait le... Vérifier les ouvertures, on sait jamais. On peut pas passer. Ok. Ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est par là-bas, on a récupéré le truc. Enfin, on a détruit le transmetteur. Donc, normalement, c'est bon, il y a tout qui est fait. Mais vérifier, on sait jamais. On va juste à remonter les escaliers et à retourner parler à tous les gens en haut dans la colonie. Qui vous aviez récupéré les quêtes. Donc passer par là. Donc devant l'ascenseur.
Allez, charge. Vous descendez le petit escalier. Commandant, que puis-je faire pour vous? J'ai détruit un transmetteur Gate dans les tunnels. Un problème de réglé. Merci, commandant. Nous avons une dette envers vous. Vous m'avez soulagé d'un grand poids. Si seulement je pouvais en dire autant de tous nos problèmes. Je reviendrai quand j'en saurai. Bonne chance, commandant. Où vous retournez? Là-dedans, donc parler au mec pour la quête de la viande. Rebonjour, commandant. J'ai tué le gros Varenne. Je vous laisse vous charger des autres. Formidable. J'organiserai une battue dès que les guettes ne constitueront plus une menace immédiate. Je dois y aller. Tenez, prenez ceci. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Ensuite, vous sortez. Vous parlez à Mei O'Connor. Bon boulot, dites donc. Pas fâché que vous vous soyez... Par contre, sans accu, on n'est pas tiré d'affaire. J'ai trouvé ces accumulateurs dans les tunnels. Ça vous intéresse? Je pensais bien qu'on finirait par les trouver. Tenez, Faidan m'a filé quelques fonds. C'est à vous. Bon. Maintenant, j'ai plus qu'à... L'eau a été rétablie. C'est grâce à vous, j'imagine. Non, non, c'est le Saint-Esprit. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper des guettes et à reprendre le développement de notre colonie. Tenez, quelques crédits pour vous dédommager. Merci, commandant. Donc non, là, de ce côté-là, pour l'instant, on n'a pas de... Là. C'est quoi, du coup, commando? Ah, ben voilà, ça avance bien, la barre de... Conciliation. Faire une petite sauvegarde. Donc, celle-là, c'est bon. Est-ce que quand je suis dehors, le machin disparaît? Commandant, que puis-je faire pour vous? On a croisé un homme qui vit dans les tunnels. C'est l'un des vôtres? Ce doit être Ian. Oui, il est très malade. Malade? Le mot est faible. Il n'est plus le même depuis. Nous avons essayé de l'aider, mais il refusait de nous écouter. Je ne peux aider les gens contre leur volonté, commandant. Vous avez des médicaments, non? Vous pourriez le soigner. Ce n'est pas si simple. Ian était un brave homme, et si je pouvais le ramener à nous, je le ferais. Je vous en prie, commandant. Parlons d'autres. Certains colons se comptent. Nous en avons déjà parlé, commandant. Chargez-vous des guettes. Moi, je me charge des colons. Qu'est-ce qu'il vous faut pour remettre... Vous nous avez ôté une énorme épine du pied. Mais il faut encore parer à des besoins plus terre-à-terre. Je ne sais pas trop où nous en sommes à ce sujet. Bonne chance, commandant. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va aller... Donc, vers l'ascenseur qu'on a vu tout à l'heure. Et bien évidemment, on va sauvegarder une nouvelle fois devant. C'est bon. Ah, le Mako. Alors juste avant, faut que je vérifie un petit truc. Repousser les guettes. Zeus Hope, y aller. Optionnel, donc les colons de féroce. Donc ça c'est bon. Le complexe exogénie. Grimper dans le Mako, rouler vers la grille. Voilà. Donc là, vous êtes sur l'autoroute. Donc
Donc je disais avant que ce crétin m'interrompe, on est sur l'autoroute. Là vous voyez qu'il y a un rebord. Si vous tombez, vous êtes mort. Aussi simple que ça. Par là et aller faire un petit tour en dessous. Même pas. La question c'est comment est-ce qu'on descend. Ah bah par là. Encore chercher longtemps moi. Ça. Hop là. Je crois que le maximum qui est en termes de puissance c'est niveau 5 ou 6, il me semble, il n'y a pas plus haut. Donc une fois que vous avez fini, vous remontez. Ça pas tout à fait, mais... Je vois quelque presque. Chose, une sorte de véhicule, mais ce ne sont pas des guettes. Vous arrêtez nous juste voir. Ici. Nous devons avant tout nous occuper des guettes. Et vous descendez. Stop! Restez où vous êtes. Calmez-vous, Jong. Vous voyez bien que ce ne sont pas des guettes. Reculez, Juliana. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Commandant Shepard, je suis là pour m'occuper des guettes. Vous voyez? Vous êtes trop méfiant. Et vous passez, Juliana. Moi, je suis soulagée de voir un visage amical. Je pensais que nous étions les derniers survivants sur cette planète. Faidan et quelques autres colons de Zeus Hope sont toujours en vie. Mais vous aviez dit que tous les autres étaient morts. J'ai dit qu'ils étaient sans doute morts. Ils sont toujours en vie. Mais les guettes les ont mis dans un sale état. Oui. Ces saloperies de synthétiques sont impitoyables. Je vais faire tout mon possible pour vous protéger. Mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Un peu plus? Comment ça? Ne l'écoutez pas. Les guettes sont dans le complexe Exogénie. Un peu plus loin, le long de l'autoroute. Ce complexe est une propriété privée, soldat. Contentez-vous d'éliminer les guettes. Oh, ta gueule, sérieux. Vos petits secrets ne m'intéressent pas. Commandant. Une dernière chose. Ma fille, Lisbeth, elle a disparu. On s'en fout. Ne leur faites pas perdre de temps. Nous pourrons compter nos morts une fois les guettes éliminées. Attends, c'est super optimiste. C'est super de ma optimiste, fille qu'il s'agit. Elle est toujours en vie, j'en suis sûr. Mais bien sûr qu'elle est en vie. Liana, où se trouve votre fille? Elle travaillait dans le complexe Exogénie au moment de l'attaque. Absolument. Il y a au moins... deux ou trois endroits du complexe où elle aurait pu rester cachée. Enfin, pendant un moment. Si elle est encore là-dedans, je la ramènerai. Merci, commandant. Merci. Alors, on va comment faire le tour. Comment avez-vous été séparé de la colonie de Zeus Hope?
Nous vivions presque tous près du complexe Exogénie. Zeus Hope servait surtout de... L'attaque des Geth nous a éparpillés. Jusqu'à votre arrivée, nous pensions être les derniers survivants. Si nous l'avions su plus tôt, nous aurions sans doute essayé de les rejoindre. Vous pouvez encore le faire. Vous serez plus en sécurité là-bas. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous n'avons pas de véhicule et l'autoroute n'offre aucune protection. Parce que ce bâtiment est une forteresse imprenable, peut-être. Le mieux, c'est de rester ici et d'attendre les renforts. Ils finiront bien par arriver. Hop, compte dessus et bois de l'eau. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les Geth à attaquer? Je n'en ai pas la moindre idée. Il n'y a rien d'intéressant ici. Exogénie nous l'a répété assez souvent. Il n'y a rien de personnel. Nous devons juste rentrer dans nos fonds. Parlez-moi de la colonie. Ça fait 4 ans qu'elle existe. Nous avions dépassé le millier d'habitants quand les attaques ont commencé. La plupart de nos problèmes viennent du manque de ressources. Il n'y a rien d'exploitable ici. Et pourtant, on ne veut pas abandonner. On commençait à se sentir chez nous ici. Qu'est-ce qui vous a amené ici? J'espérais pouvoir prendre un nouveau départ, commencer une nouvelle vie, me rendre utile à quelque chose. Au lieu de ça, mes projets se sont effondrés en même temps que la colonie. Exactement. Juliana, où se trouve votre fille? Quelque part à l'intérieur du complexe Exogénie, enfin, j'espère. Quelle est la fonction du complexe? Nous avons remodelé ce bâtiment pour en faire le quartier général d'Exogénie sur cette planète. Il abrite des bureaux et quelques petits labos de recherche. Exogénie s'y connaît pour remodeler tout et tout le monde. Exogénie doit générer des bénéfices, Juliana. Et de ce point de vue, Féroce est loin de donner satisfaction. Restez ici jusqu'à mon retour. Ne bougez surtout pas. D'accord. Et n'oubliez pas, si vous voyez ma fille... Ça ne devrait pas leur poser de problème. Donc on va d'abord aller parler à lui. Vous auriez 2 minutes à m'accorder? J'ai un petit problème dont j'aimerais vous parler. Qu'est-ce que vous voulez? Je dois récupérer des données. Rien de bien compliqué, mais ça peut vous rapporter. Ça m'a l'air un peu trop facile. Où est le piège? Il n'y a pas de piège. C'est un boulot dangereux pour moi, mais pas pour vous. Franchement, j'ai parfois l'impression que les gens pensent qu'on aime le danger. Non, ne vous en faites pas. Ce n'est rien de méchant. Il suffit de trouver ma console dans le complexe Exogénie et de télécharger les plans dans ce DSO, vous voyez? C'est tout simple. Je m'en occuperai dès que j'aurai le temps. C'est parfait, merci. Ces données sont vraiment précieuses. Enfin, bien sûr, la colonie passe avant tout. Dites-moi un peu plus sur ces données que vous voulez récupérer. Ce sont des plans pour des prototypes de mods. Je suis un indépendant. Certains de mes mods sont très recherchés. Pourquoi êtes-vous installé ici au milieu de nulle part? Pourtant, vous avez du talent. Disons que j'ai l'âme d'un pionnier et que je n'aime pas trop l'idée de me retrouver entre 4 murs. Oh bah c'est un là où bon indépendant, c'est un indépendant qui ne se fait pas remarquer. Vous avez une idée de ce que cherchent les Geth? Non, aucune. Je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant sur ce caillou, mais je ne suis sans doute pas assez malin. Je vais devoir vous laisser. N'oubliez pas notre petit marché. Donc, on va partir... et reprendre le Mako. On dégage. Donc ça c'est bon. Thank you.
Silence radio. Des guettes en approche. Silence radio, bordel de merde. Lui apparemment il est mort. Pas traîner pour s'installer. Une fois à l'intérieur, la résistance sera vraiment acharnée. Problème réglé. Problème pas réglé du tout. Alors, complexe exogénie. Donc une fois qu'on est rentré, l'autoroute. Chemin praticable, voilà. Je préférais vérifier ce que j'avais écrit, histoire d'être sûr. Donc là, apparemment, c'est la sens unique, commandant. Donc vous allez retrouver ici la fameuse Lisbeth. Je suis désolée, je vous prenais pour des guettes ou des varennes.
quand même une autre tête qu'Avarinica, mais bref. Vous êtes en sécurité maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est de ma faute. J'ai voulu faire des copies de sauvegarde au lieu de m'enfuir avec les autres. Et puis le vaisseau Get s'est arrimé au bâtiment et le courant a été coupé. J'étais prise au piège. J'ai essayé de sortir, mais les issues sont bloquées. On va vous faire sortir d'ici dès qu'on saura ce que veulent les Get. Le problème, ce ne sont pas les Get, mais le champ d'énergie qu'ils ont mis en place. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre accède au... C'est pour les Get que je suis ici. Il faut que je sache ce qu'ils viennent faire. Je n'en suis pas sûre, mais je crois qu'ils sont là pour le Taurien. Le Taurien? Qu'est-ce que c'est? Une forme de vie indigène. Exogénie l'étudiait de près. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Vous savez où il se trouve? Je crois que je pourrais y arriver, mais pas avec ces guettes qui rôdent par... On doit sortir d'ici. Il faut passer de l'autre côté du champ d'énergie. Est-ce que vous savez comment faire pour le désactiver? Non, pas vraiment. Mais je crois qu'il est alimenté par le vaisseau guette. J'ai vu les guettes poser des câbles d'alimentation. Vous pourriez suivre ces câbles, mais les guettes sont partout. Parlez-moi de vous. Je ne suis qu'une assistante de recherche d'exogénie. Je suis venue ici avec ma mère. Je ne sais même pas si elle est encore en vie. Elle est avec un autre groupe de survivants. Pour l'instant, elle est en sécurité. Elle est en vie? Dieu soit loué. Dire que je pensais être la seule survivante. Je vous en prie, commandant, désactivez le champ d'énergie. J'ai tellement hâte de revoir ma mère. Dites-moi tout ce que vous savez sur le Taurien. Je crois qu'il s'agit d'une sorte d'entité végétale, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Il est ancien, très ancien, plusieurs milliers d'années. Je ne comprends pas en quoi le Taurien pourrait intéresser les guettes. Moi non plus. C'est une plante, je ne vois pas ce qu'il compte en faire. Exogénie ne lui a rien trouvé de particulièrement intéressant, en tout cas. Ne bougez pas, je vais aller ouvrir quelques portes. Tenez, prenez mon badge, ça devrait vous permettre d'ouvrir toutes les portes. Bonne chance. Bla 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 bla. Ah. Ensuite, bah, la seule porte de disponible, oh, quoique vérifier ça pas un truc, mais non. Du coup, vous descendez. Voilà, pas envie de passer là-dessus. Wow, ça c'est un truc qui casse. Je ne dirais pas casse quoi. Là, c'est par là où on venait. Donc ouais, il faut aller par là-bas. Saloperie de machine. Deux bornes d'accès fichiers cryptés. Non, je ne veux pas éditer le protocole. Impossible d'accéder à votre requête. Veuillez contacter votre superviseur. Merde à la fin! Dis-moi ce que je veux savoir! Sinon je te fais griller les circuits! Veuillez contacter votre superviseur pour demander une autorisation de sécurité niveau 4 ou prenez rendez-vous avec... Saloperie de machine! Si vous n'avez pas d'autres requêtes, veuillez vous écarter. Une file d'attente est en train de se former pour l'utilisation de cette console. Ça tombe bien. J'avais une envie pressante de tuer quelqu'un. Problème réglé. Exogénie Corporation. Rappelle à tous ses employés que l'utilisation d'armes dans l'enceinte du complexe est strictement interdite. On fout. Bienvenue, assistante de recherche Lisbeth Bainham. Que puis-je faire pour vous? Comment sais-tu qui je suis?
Votre badge vous identifie comme Lisbeth Bainham. Que désirez-vous, docteur Bainham? Quelle information le dernier utilisateur voulait-il obtenir? Recherche en cours. L'utilisateur précédent tentait d'accéder au rapport d'étude de l'espèce 37, le taurien. Répète-moi tout ce que tu as dit au Krogan. Je n'ai pu fournir à l'utilisateur précédent aucune donnée pertinente. Motif? Il ne disposait pas d'un accès suffisant. En outre, aucune donnée nouvelle n'est disponible sur l'espèce 37. Les capteurs dédiés à la surveillance de Zeus Hope sont inactifs depuis plusieurs cycles. Quel est le rapport entre Zeus Hope et le taurien? L'espèce 37 est située sous l'infrastructure de l'avant-poste de Zeus Hope. Je veux tout savoir sur le taurien. Le taurien est une espèce végétale simple, douée d'une forme de conscience atypique de la flore. La simple inhalation des spores qu'il dissémine provoque une affection chez les autres organismes vivants, humains compris. Les organismes infectés sont sujets à une forme de contrôle mental. Le groupe témoin de Zeus Hope a montré des résultats intéressants. Avant la déconnexion des capteurs, le taux de contamination était de 85%. Si je comprends bien, Exogénie savait que les colons étaient infectés. L'expérience était nécessaire pour juger du potentiel de l'espèce 37. Ça explique leur comportement. Vous devriez prévenir votre pilote. Joker, répondez, Joker. Merde, le champ d'énergie... Il faut désactiver le champ d'énergie et retourner à Zuzmo. Je veux tout savoir sur le champ d'énergie généré par le vaisseau Get. Mes données sur les Get sont très limitées. Ils ont désactivé tous les capteurs du complet. Je détecte plusieurs fluctuations énergétiques anormales, mais je ne peux en déterminer la source. Que sais-tu sur les Get? Je suis incapable de répondre à votre demande. Les Get ont déconnecté... J'aimerais en savoir plus sur Exogénie. Exogénie Corporation est à la pointe de l'expansion de l'espèce humaine dans la nouvelle économie galactique. Elle finance le développement de colonies et sécurise les ressources naturelles pour favoriser le développement du genre humain. Pour toute autre requête concernant la politique de notre société, veuillez vous adresser au service information consommateur durant les heures d'ouverture. Qui dirige cette installation? Qui a organisé les recherches? Toutes les décisions sur l'analyse et l'acquisition des ressources locales sont prises par la direction locale, qui n'en réfère au comité de direction de la maison mère que lorsque les quotas ne sont pas remplis ou sont dépassés. Les dossiers des employés sont confidentiels. Information sur le... L'espèce 37 a été découverte il y a plusieurs semaines après qu'une équipe d'exploration a été contaminée par des spores dans les ruines proches de Zeus. L'avant-poste a été immédiatement placé sous quarantaine pour étudier l'infection. À J plus 21 jours, 58% des colons souffraient de troubles du comportement. À J plus 28 jours, 85%. Comment la créature contrôle-t-elle ses esclaves? L'assujettissement de l'individu se traduit par l'induction d'une violente douleur si les directives de la créature sont ignorées. L'effet est suffisamment violent pour que la victime soit rapidement conditionnée contre toute velléité de rébellion. Les observations suggèrent que le taurien perçoit ses esclaves comme des éléments fonctionnels. Il prend soin de ne pas les blesser, de la même manière qu'un artisan évite d'endommager ses outils. Tant que ceux-ci n'agissent pas à l'encontre de ses objectifs, il les laisse mener un simulacre de vie normal jusqu'à ce qu'il ait besoin d'eux. Quelle est la taille de cette créature? Les analyses indiquent que le taurien est une créature diffuse dont les capacités de réflexion sont concentrées dans de grands amas nerveux. Il peut recevoir des informations sur des kilomètres grâce à un réseau de filaments. Nous avons découvert des amas d'approximativement 1 mètre de diamètre, mais il semble insuffisant pour coordonner l'énorme potentiel sensoriel de la créature. Hypothèse 1. Les informations reçues sont traitées très lentement. Hypothèse 2. Il existe un amas nerveux beaucoup plus important que ceux que nous avons rencontrés. Quel est son degré d'intelligence? On peut dialoguer avec? Le taurien ne présente pas le comportement habituel d'un prédateur. La dissémination de ses spores est un acte de survie et pas une agression volontaire. Il provoque des comportements évolués chez les humains qu'il a servis. Mais il nous faut encore découvrir s'il reconnaît ou est capable de reconnaître les humains comme autre chose que des outils. Cette espèce ne s'inscrit... Quel est son degré? Il prouve... Cette espèce... Quel est son degré? Cette espèce ne s'inscrit... Mais... Cette espèce ne s'inscrit dans aucune taxinomie. Ça suffit pour l'instant. Préparation à la mise en veille. Donc on va partir par là. Du coup, on n'a pas trop le choix en plus, on est obligé de passer par là. Se servent de ces griffes pour arrimer leur vaisseau à un bâtiment. Les Geth se moquent des atterrissages en douceur.
Comment couper l'alimentation si elle provient du... Ça risque d'être très compliqué. On peut chercher des failles dans les autres griffes, mais les guettes sont très scrupuleux. C'est presque serein ici. Vous croyez que les guettes utilisaient cette pièce comme un genre de temple ? Les guettes ont bousculé la frontière entre vie organique et vie synthétique. Il n'est pas étrange qu'ils recherchent la reconnaissance d'une entité supérieure. Ça devrait être bon. On va d'abord aller... Donc on va d'abord aller par là, ouais. Parce qu'il y a les données que l'autre nous a demandé tout à l'heure. Protégées par des soldats, bien évidemment. Ça serait pas drôle. Tout doucement là-bas. Donc, on a déjà récupéré les données. Là, il y a le casier. Donc, maintenant qu'on a fini comme par là, on va redescendre et passer par le chemin de gauche. Ici. Donc là vous récupérez normalement, si je dis pas de conneries, une mission annexe. Ouais, donc ça en fait déjà une et il y en a une deuxième normalement à récupérer sur directement dans la colonie Azusa, mais je sais pas si elle sera encore disponible après. De toute façon, c'est pas extrêmement grave, il suffit d'aller sur la planète et la quête se déclenche d'elle-même. On n'a pas le matériel pour détruire cette griffe. Continuons les recherches. Donc,
objets récupérés. Commandant Shepard, regardez. On dirait une... Ça pourrait nous être utile. Si nous pouvons bouger ne serait-ce qu'une griffe, le vaisseau pourrait tomber. Donc ici... Hop, hop, hop. Ah non, on veut pas. Hop, ça c'est bon. Mais on va d'abord récupérer une autre mission encore ici. Une mission. Allez hop. Et donc tout au fond de la salle, vous verrez des commandes, la pression entre 237. Donc faut appuyer sur les boutons 1, 3 et 4. Donc la pression va couper l'arrimage du vaisseau. Parfait. Le champ de force qui barrait la sortie est désactivé. On va pouvoir s'occuper de ce Torien. J'espère que le vaisseau était rempli de ces petits salopards. Ne criez pas victoire trop tôt. Il doit rester quelques guettes dans la base. Répondez, commando. Ici, Normandie. C'est vous, Joker. Qu'est-ce qui se passe? Commandant, j'ai verrouillé le vaisseau. Les colons commencent à... Enfin, il y a quelque chose d'étrange. Ils sont un peu... agités. Tu es tous. Vous n'avez rien à craindre. Restez en stand-by le temps qu'on arrive. À vos ordres, commandant. Au fait, tant que je vous tiens, les transmissions guettes fusent dans tous les sens. Cet endroit va grouiller de guettes d'ici quelques minutes. Si on reste en groupe, on s'en sortira sans casse. Oh merde, je sais plus par où faut passer. Ah, par là. C'est par la petite porte. Vous voilà. Ne restons pas ici, ça n'a pas l'air très sûr. Soyez franche, vous ne nous avez pas dit tout ce que vous saviez sur le Torien. J'étais terrifiée. J'ai dit à la direction qu'il fallait tout arrêter. Mais on m'a répondu que si je m'acharnais, je serais la prochaine sur la liste. Quand les guettes ont attaqué, je suis restée ici pour envoyer un message aux affaires coloniales. Je voulais leur dire où trouver le Torien, mais le courant a été coupé avant que j'aie eu le temps d'envoyer le message. J'ai essayé de les en empêcher. Oui, vous avez fait de votre mieux. Dites-moi où se trouve le Torien. Les colons peuvent encore être sauvés. En dessous de Zeus Hope, mais l'entrée est bloquée. Les colons ont fait atterrir le transporteur sur l'entrée juste avant l'attaque des guettes. Qu'est-ce que les guettes viennent faire là-dedans? Pourquoi Saren s'intéresse-t-il au Torien? Sans doute pour ses capacités de contrôle mental. En tout cas, c'est ce qui intéressait Exogénie. Normandie à commando. Vous me recevez?
Que se passe-t-il, Joker? Je capte pas mal de transmissions. Ils se dirigent vers vous, on dirait. Merci, Joker. Vous avez entendu? Ce n'est pas le moment de traîner ici. Je vous accompagne. Je pourrais peut-être vous être utile et réparer le mal que j'ai fait. Alors, la porte qui est verrouillée là-bas, il n'y a rien de spécial, juste une... un petit mode à la con, et puis une armature guette. Qui va se réveiller quand vous êtes entré de moi, bien évidemment. Comme toujours. Bien évidemment, on n'a plus de grenades. Voilà un coup. Charger quand même. M'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend? Éloignez-vous de cette radio! C'était quoi ça? Ici Juliana Benheim de la colonie Féroce. Ceci est un SOS. Oh, ouf. C'est ma mère! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Ce sera arrêté de toute façon. Ne faites pas ça, Jong. Que tout le monde se taise! Laissez-moi réfléchir! Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Faites-la sortir! T'approche pas d'elle, espèce d'enfoiré! Lisbeth! Sortez! Sortez de là que je puisse vous voir! Tout le monde! Ben, vous voilà. Je commençais à espérer que les guettes vous avaient fait la peau. Connard. La base de données Exogénie m'a appris des choses intéressantes sur vous. Je sais ce que vous avez fait pendant le raid, mais je vous préviens, inutile de jouer les héros. Ne vous énervez pas, on va discuter de tout ça calmement. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas aussi simple. Les transmissions viennent d'être rétablies. Cette colonie est devenue trop gênante pour Exogénie. Mais enfin, réfléchissez, Jong. Vous ne pouvez tout de même pas nous traiter comme des machines. Il ne s'agit pas de vous. Il y a sur cette planète quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une poignée de colons. Et parler de la seule ressource exploitable. Le quoi? C'est une créature télépathe qui vit sous Uzho. Elle prend peu à peu le contrôle des colons. Exogénie est au courant depuis le début. Vous allez nous le payer, Jong. Ça, c'est vous qui le dites. Personne ne viendra pleurer sur votre sort, croyez-moi. Quoi? J'ai pas assez? Vous allez trop loin. Lâchez votre arme, sinon je vous abats. Très bien. Vous l'aurez voulu. Comme si les guettes et le taurien ne suffisaient pas, il faut encore qu'on se batte entre nous. C'est ma faute. J'étais au courant de tout, mais je n'ai rien fait. Pas de ça avec moi, jeune fille. Tu as fait de ton mieux, tu le sais. Et maintenant, commandant? Dès que j'en aurai fini avec le taurien, je reviens m'occuper de vous. Les colons ne vous laisseront pas approcher du taurien. Ils sont sous son emprise. Ils mourront pour le protéger. Je sais, mais je n'ai vraiment pas le choix. Il doit bien y avoir un autre moyen. Je crois que j'ai trouvé. Vous pourriez utiliser un agent. Une grenade incapacitante. C'est une bonne idée.
Je ferai tout. Formidable. Merci, commandant. On restera en arrière jusqu'à ce que vous ayez dégagé un chemin. Bonne chance. Ah bah si. Oh ouf, ils nous ont remis le plein d'eux. Déjà de retour ? Je vais devoir vous laisser. N'oubliez. Déjà de retour ? Vous avez. Formidable. En tout. Merci encore, commandant. Maniable ce truc. Ça. Quoi ce truc? C'était quoi ce monstre? Nettoyez-moi tout ça. Faites. Nous avons aussi les grenades incapacitantes. Elles pourraient neutraliser les colons sans mettre leur vie en d'accord. Danger. D'accord. Évitez de blesser les colons si possible, possible, possible. Bien compris, commandant. Ça. On va faire une petite sauvegarde.
Attention! Non, c'est foutu, j'ai plus de... Oh mon con de faire attaquer. Je suis obligé d'en tuer. Attendez, je vais recharger la partie. Je préfère. Et parce que chaque colon qu'on tue, ça nous donne des points de pragmatisme, donc voilà quoi. Thank you.
sommes, commandant. Vous savez piloter une grue ? C'est la première fois que j'en perds absolument aucun. Je me demande moi-même comment j'ai réussi à faire. Allons buter la bestiole. J'ai essayé de résister, mais il était dans ma tête. Vous ne pouvez pas imaginer une telle douleur. Ces gens me considéraient comme leur chef. Il me faisait confiance. Il veut que je vous arrête. Je refuse. Oh non! Je crois qu'il est un peu mort. On va faire une petite sauvegarde avant de descendre. La bestiole. Ok, il ne nous reste plus qu'à trouver cette créature et découvrir ce qu'elle... Elle... Par qui là ? C'est quoi ce truc ? Ça ne ressemble à aucune plante connue. Ça ne me dit rien qui vaille. Intrus, chacun de vos pas est une transgression. Des milliers de tiges vous jaugent, ne voyant en vous rien d'autre que viande bonne à creuser ou laisser pourrir sur place. Je vous parle au nom de la flore éternelle, comme je l'ai fait pour Saren. Le Taurien vous fait face et vous entoure. Craignez-le et respectez-le. Vous avez donné quelque chose à Saren, quelque chose dont j'ai besoin. Saren cherchait une connaissance disparue. La flore éternelle a écouté parler la chair pour la première fois depuis le début du long cycle. Nous avons conclu un marché. Puis les êtres froids sont venus tuer la chair, préparant le prochain cycle. Une chair donnée de plein gré. L'air que vous exhalez est saturé de mensonges. La flore éternelle n'écoute pas les mensonges. Pas question de laisser ces pauvres gens en esclavage. Relâchez-les tout de suite. Plus jamais le Taurien n'écoutera ceux qui marchent. Votre sang sera le dévot d'un niveau sûr. Vous pouvez la tuer autant que vous voulez, ça servira à rien. Puisque la grosse bestiole là. Il a. Comment dire ? Commandant, venez voir ! Il y a quelque chose par ici !
Là, elle a eu mal. Il faut continuer à détruire ces trucs. En fait, il va continuer la réplique à l'infini et puis bah, il va vous faire chier très très vite. Des commandos. Je veux pas dire, mais je suis un tantinet dans la merde. Que je me disais. Pour ça que j'ai dit, il faut prendre faire une sauvegarde. Vous avez compris le principe, faut voilà. Donc je vais vous zapper. Alors je reprends juste ici.
Normalement, le prochain devrait être le dernier. Je dis bien normalement. Enfin libre. Je vous dois des remerciements pour m'avoir... Vous allez bien? Vous n'êtes pas blessé? Ça va. En tout cas, ira. Avec... Je m'appelle Shiala. Je suis, ou plutôt j'étais, au service de la matriarche Benezia. Lorsqu'elle s'est alliée à sa reine, je l'ai suivie. Benezia avait anticipé l'ascension de sa reine. Elle l'a rejoint dans l'espoir de le ramener dans le droit chemin. Mais sa reine est douée d'un étrange charisme, auquel Benezia a succombé. Vous voulez dire que sa reine peut contrôler ceux qui l'entourent par la pensée? Benezia avait sous-estimé sa reine, tout comme moi d'ailleurs. Nous en sommes venus à croire en sa cause et en ses buts. Son pouvoir de suggestion est troublant. Elle a essayé de manipuler sa reine, mais son plan s'est retourné contre elle. Les matriarches Asari comptent parmi les êtres les plus puissants et intelligents de la galaxie. Comment a-t-elle pu tomber sous la coupe de sa reine? Sa reine possède un vaisseau du nom de Sauveraigne, un cuirassé d'une taille inimaginable, plus grand que tout ce que j'ai jamais vu. Il a le pouvoir de dominer mentalement les serviteurs de sa reine. Sauveraigne les soumet entièrement à sa volonté. Le processus est subtil et peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais il est inexorable. Lorsque je suis venue sur cette planète avec sa reine, je n'étais rien de plus qu'une esclave consentante. Il avait besoin de mes talents biotiques pour communiquer avec le Taurien et lui arracher ses secrets. J'ai servi de monnaie d'échange à sa reine. Il m'a sacrifiée pour conclure une alliance avec le Taurien. Sa reine ne semble pas avoir de scrupules à trahir les siens. Et il n'en a pas eu non plus pour le Taurien, croyez-moi. Après avoir obtenu ce qu'il était venu chercher, il a ordonné aux Geth de détruire toute trace de son existence. Sa reine sait que vous êtes également à la recherche du canal, et que vous le talonnez. Détruire le Taurien était le plus sûr moyen de vous empêcher de trouver l'énigma. C'est quoi cette énigma? Qu'est-ce que ça... La balise d'Eden Prime a gravé des visions dans votre esprit. Des visions étranges, qui vous dépassent, car elles ont été conçues pour un esprit protéen. Pour comprendre le sens de ces visions, vous devez apprendre à penser comme un protéen. Vous devez absorber leur culture, leur histoire, la raison même de leur existence. Le Taurien était déjà ancien lorsque les Protéens ont bâti cette cité. Il les a observés, étudiés et après leur mort, assimilés. Je comprends bien, le Taurien a appris à sa reine à penser comme un Protéen. Comment? L'énigma est l'essence même des Protéens. On ne peut ni la décrire, ni l'expliquer. Autant essayer d'évoquer les couleurs à un aveugle. Pour comprendre vos visions, vous devez accéder à une mémoire ancestrale endémique, un panorama s'étendant sur des milliers de générations protéennes. J'ai ressenti l'énigma, cette mémoire ancestrale, lorsque j'ai été absorbée par le Taurien. Nos identités ont fusionné, nos deux esprits se sont unis. Un tel savoir ne peut être enseigné. Il existe, c'est tout. J'en ai besoin pour arrêter sa reine. Alors... Tout comme je l'ai fait pour sa reine, je transférerai mon savoir dans votre esprit.
Détendez-vous, commandant. Inspirez lentement, profondément. Laissez votre esprit quitter votre corps. Saisissez les liens qui nous unissent. Toute action entraîne une réaction à travers la galaxie. Chaque idée doit pénétrer un autre esprit pour survivre. Chaque émotion imprégner une autre âme. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Chaque être vivant est uni au sein d'un grand tout. Ouvrez-vous à l'univers, commandant. Acceptez l'éternité! Je vous ai donné l'énigma, tout comme je l'ai donné à Saren. Qu'est-ce que c'était? Commandant Shepard, ça va? J'ai vu quelque chose, mais je ne suis pas plus avancé. Vous avez reçu un don précieux. La mémoire de tout un peuple. Votre esprit aura besoin de temps pour assimiler toutes ces informations. Il vaudrait mieux retourner au vaisseau, commandant. Vous devez vous faire examiner. Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir, mais c'était le seul moyen. Le moment venu, l'énigma vous permettra enfin de comprendre le sens de vos visions. Vous avez autre chose à me dire sur le Taurien? Lorsqu'il m'a enveloppé, je me suis fondu en lui. Malgré cela, je ne l'ai jamais vraiment compris. Il était trop différent. Trop ancien. Impossible de connaître son âge exact. Il n'avait pas la même notion du temps que nous. Il pouvait rester 10 000 ans en hibernation, puis passer quelques siècles d'activité intense. C'était un esprit incroyable. Absolument magnifique, qui transcendait toute classification. Maintenant, il a disparu. Vous n'allez quand même pas pleurer sur cette chose. Le Taurien était une forme de vie unique, sans équivalent dans tout l'univers connu. Rendez-vous compte, une entité intelligente vivant depuis plus de 50 000 ans. Je vous suis redevable de m'avoir libéré d'une vie de servitude, mais je ne peux m'empêcher de déplorer la mort d'une créature aussi exceptionnelle. Non plus sur... Sauverein est indéfinissable. J'ignore comment il a été construit et d'où il vient. Mais je sais qu'il n'a été conçu par aucune des espèces connues. Les plus grands vaisseaux de l'Alliance et de la Citadelle font figure d'insectes à côté de lui. Ses armes sont dévastatrices et ses défenses impénétrables. Avec lui, Saren ne craint rien ni personne. Et Saren l'utilise pour manipuler ses serviteurs, c'est bien ça? Oui. Sauverein dégage une étrange énergie. Au bout d'un certain temps, sous l'influence de Sauverein, vous vous égarez. Je ne trouve pas de meilleure analogie. Je voudrais en savoir plus sur Benetia. Benetia inspirait un grand respect à notre peuple. C'est une biotique d'une puissance inhabituelle, même pour une Asari. Elle était célèbre pour ses préceptes religieux et philosophiques. Benetia était toujours en quête de paix et d'harmonie. Elle a rejoint Saren dans l'espoir de le détourner de ses instincts destructeurs. Et au lieu de ça, elle est devenue l'une de ses plus puissantes alliées. Comme je vous l'ai dit, la matriarche Benetia a sous-estimé Saren. Ne commettez pas la même erreur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur Saren? Rien que vous ne sachiez déjà. Qu'il est puissant, charismatique et par-dessus tout dangereux. Pendant un temps, je l'ai suivi aveuglément. Sans rien voir de sa vraie nature. Mais à présent, je sais qu'il mène la galaxie vers un âge de ténèbres et de souffrance. Parlez-moi de vous. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'étais juste l'une des disciples de la matriarche Benetia. Je l'ai suivie pendant près de 200 ans, et elle m'a tout enseigné. Le jour où Benetia a décidé de rejoindre Saren, elle a laissé à ses disciples le choix de la suivre ou non. Et seuls les volontaires l'ont accompagné. Ceux qui estimaient son plan trop dangereux l'ont quitté. Je croyais en elle. J'étais sûre qu'elle pourrait détourner Saren de sa folie. Mais en fin de compte, nous l'y avons rejoint.
Vu que vous êtes libéré du Toria, vous comptez faire quoi? Si vous le permettez, j'aimerais rester ici avec les colons. Ils ont beaucoup souffert, en partie à cause de moi. Et je voudrais réparer les torts que j'ai causés. Les colons vont avoir besoin d'aide, et la vôtre leur sera précieuse. Merci, commandant. Que la réussite vous accompagne. Vous avez réussi ? Le Taurien est mort et nous pouvons commencer la reconstruction. Sans compter que nous sommes à l'abri des menaces d'exogénie. Féroce est redevenu une petite colonie sans un... Merci encore. Ces données me seront très précieuses dès que je serai parti d'ici. J'ai résisté, j'ai lutté, mais chaque pensée autonome des... Je vais faire tout mon possible pour aider la colonie. J'ai honte de la souffrance. Au revoir, commandant. Je n'aurais jamais pensé être aussi... Mon comportement a pu vous sembler étrange la dernière fois que nous nous sommes vus, mais j'étais sous l'influence du Taurien. Chaque pensée contraire à ses désirs déclenchait une terrible douleur. Que comptez-vous faire maintenant que la paix est revenue? Je crois que je vais rester pour essayer de renflouer mes caisses. Je devrais recevoir une nouvelle livraison dans quelques semaines. La colonie va peut-être survivre, enfin. Au revoir. Que vos efforts soient couronnés de succès. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci, commandant. La colonie de Féroce sera de nouveau opérationnelle en un rien de temps, commandant. Nous allons mettre les bouchées doubles. Merci pour... Je suis libre. Je peux penser normalement. Je suis libre. C'est incroyable! Ah, oh, j'ai enfin les... Et en plus, vous avez récupéré des accus. Du coup, on va pouvoir tout... Il va falloir un certain temps avant que la vie reprenne son cours normal. Merci de nous avoir libérés. Donc maintenant, on va retourner au vaisseau. Ça fallait récupérer. Manuscrit 4 sur 10, 5 sur 7. Trace de combat. Bon, Doc Tac, c'est bon. Médaille, il me manque encore un. Et médaille, c'est bon. On va sauvegarder. Commando, dépôt imminent. Décontamination en cours. Décontamination en cours. Commandant, vous êtes pâle. Ne serait-ce pas un effet secondaire de l'énigme? L'énigma m'a un peu remué, oui. Je suis une spécialiste des protéines. Je vais peut-être pouvoir vous aider. Si je joins ma conscience à la vôtre, il est possible que je parvienne à comprendre. Allez-y vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Contemplez l'éternité.
Détendez-vous, commandant. Content. C'était incroyable. Après tout ce temps, toutes ces études, je n'aurais jamais rêvé. Désolée, les images étaient tellement nettes. Je ne pensais pas que cette expérience aurait pu être si intense. Votre force de volonté est remarquable, commandant. Un esprit faible aurait été anéanti parce que vous avez vu et enduré. Allez, ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que vous avez vu ? La balise d'Eden Prime devait être sérieusement endommagée. Il manque une grande partie de la vision. Les données transférées dans l'esprit du commandant sont incomplètes. Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu d'indices ou d'informations utiles, quelque chose qui nous aurait échappé ? Rien que vous ne sachiez déjà. Vous aviez raison au sujet des moissonneurs. C'est bien une race de machines intelligentes qui a détruit les protéens. Il existe incontestablement un lien entre les moissonneurs, l'extinction des protéens et le canal. Mais je n'ai vu aucune piste qui pourrait nous y mener. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai pu interpréter les données encodées dans la vision, ou du moins ce que j'ai pu en voir. Mais il manquait quelque chose. Saren doit avoir les éléments qui nous manquent. Peut-être a-t-il trouvé une autre balise ? Si nous parvenons à récupérer les données manquantes de votre vision, je pourrais... Oh. Désolée, le rite de communion est... épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos. Le docteur Chakwas... Ce ne sera pas nécessaire. Nous avons terminé. Rompez. Le rapport sur Féroz est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil ? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Commandant, Exogénie aurait dû nous avertir au sujet du Taurien. Cela nous aurait facilité la tâche. Vous auriez pu le capturer pour que nous puissions l'étudier, au lieu de le détruire. Le Taurien asservissait les esprits. Tous ceux qui l'auraient étudié seraient devenus ses esclaves. Dans ce cas, vous avez peut-être bien agi. Au moins, la colonie a été sauvée. Bien sûr qu'elle a été sauvée. Shepard ferait n'importe quoi pour sauver une colonie humaine. Humain ou pas, ça n'a rien à voir là-dedans. Ils étaient en danger. Comme c'est admirable. Mais parfois les spectres doivent faire des sacrifices. J'espère que vous y serez disposés quand le moment viendra. Au revoir, commandant. Nous attendrons votre prochain rapport. Du coup... Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Alors du coup, la mission sur Féroz est terminée. On va s'arrêter là, dans le prochain, on prendra les quêtes annexes qu'on a récupérées tout au long de cet épisode. Et on ira faire un tour dans la galaxie pour les faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite. Salut.